Vous savez, en tant que ministre de la Santé, je ne suis pas d'un camp plutôt que d'un autre, particulièrement sur ce sujet. Je ne voudrais pas choquer ce que l'idée de l'avortement heurte, mais j'irai jusqu'au bout. Parce que tous les jours, des femmes meurent dans d'insupportables souffrances, alors qu'il est si facile d'y mettre fin. Monseigneur, toute vie doit être protégée. Croyez-moi, je sais le prix de chacune d'entre elles. Vous allez tuer nos enfants, et tout cela pour satisfaire une poignée de féministes déchaînées, homosexuelles pour la plupart d'entre elles. Catholique fervent, je me suis toujours défendu de tout antisémitisme. Force est pourtant de constater que cette loi satanique est l'œuvre, madame, d'une juive. Bon, bah je crois qu'on a compris l'idée générale. Giroud va finir par nous mettre dans la merde. Plus elle parle, et plus notre majorité se braque contre nous. Mais vous connaissez ma position, il n'est pas question de droit à disposer de son corps, ce n'est pas ça. Si nous réussissons à faire passer cette loi, vous pouvez être sûr que Giscard réclamera la victoire. Et si nous échouons? Alors nous n'aurons plus qu'à partir. J'aime votre enthousiasme. La parole est à madame le ministre de la Santé.